ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Pourquoi des jouets vont manquer dans les magasins? De nombreux jouets vendus dans le monde entier sont fabriqués en Chine. Or, il y a encore beaucoup de malades du Covid-19, ce qui perturbe l'activité du pays. La fabrication des jouets y est très ralentie et la Chine peine à approvisionner l'ensemble de la planète. Ça veut dire que, dans les magasins, les rayons pour enfants vont être vides? Non, car il y a toujours les jouets qui ne sont pas fabriqués en Asie, même s'ils sont peu nombreux. Et puis, les magasins commandent leurs produits à l'avance. Ils seront donc livrés, mais cela mettra plus de temps que d'habitude. Cependant, les jouets qui arriveront jusqu'en France coûteront sans doute plus cher. Car la Chine manque de matières premières comme le bois, le plastique ou le carton, ce qui augmente le prix de la fabrication des jouets. Certains produits, comme les jeux électroniques ou les figurines, ne peuvent même plus être fabriqués pour le moment. De plus, amener des marchandises par bateau depuis l'Asie est devenu très compliqué à cause des caisses géantes qui servent au transport. Beaucoup de ces caisses, appelées conteneurs, ne sont pas encore revenues des pays qui étaient confinés. Elles ne peuvent pas servir pour de nouvelles marchandises. Et les rares conteneurs qui circulent coûtent très cher à utiliser. Alors, il va falloir attendre encore un peu avant que le commerce des jouets revienne à la normale. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.